Alors voici le plan jeune sacripant. En gros, on vous jette dans la forteresse avec le lance-pierre géant. Bonne chance. Kaku, je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir fait confiance à ce type. Moi, je suis confiant. Si ça doit arriver, ça arrivera, on mourra, tranquille. C'est la bonne mentalité jeune, saltimbanque. De toute façon, ça a déjà été testé 2 ou 3 fois. Attendez, non, c'était pas celui-là qui a été testé. Enfin, bref, faites-moi confiance. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on va s'enfuir, en fait? Mais c'est une excellente question. Je vous laisse trouver la réponse par vous-même, c'est parti. Non, non, sans déconner, non, non, arrête ça! Wow! Kakoum! Kakoum! Eh, hey, réveille-toi! Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est toi. Putain. Bon, allez, on est parti. Enfin, on fait une petite pause quand même. Ah, mais quel... Enfin, bref. On a une belle vue quand même ici. Bon, du coup, normalement, dans quelques minutes, il devrait... Non, même, c'est déjà l'heure, je crois. Le temps qu'on se réveille et tout. Ils ont dû se rendre compte qu'il n'y a plus d'énergie, il devrait plus y avoir beaucoup de monde ici. Donc, logiquement, on peut... on peut faire ce qu'on a à faire. Arrête, casse pas ça, casse pas le mur. Je sais pas. Je me suis dit dans ma tête ça pouvait être utile. Casse pas ça. Oh, bon. Il y a plein de vêtements, mec. Attends, parce qu'on est en plein milieu du territoire en fait, on n'est pas du tout atterri là où on devrait. Donc ah là bon. Heureusement on est caché, tu vois. Mais essaie de vérifier un peu partout s'il y a pas une façon qu'on, je sais pas, qu'on remonte. Parce que là l'arbalète est en haut. Fais pas ça, arrête, il y a peut-être des gens. C'est bon. Façon ah, peut-être qu'il y a des déguisements là-dedans. Oui, bah oui, c'est ce que je t'ai dit il y a 2 secondes. Je pense ça. Non, ça, non, ça marchera pas. Je crois qu'ils ont un code entre eux, tu vois, genre. Et si on te demande le code et que t'es en mode, je sais pas, et tu es mort en fait, parce qu'ils savent que t'es pas. Enfin, en même temps, c'est pas compliqué de se déguiser en eux. Tu mets des lunettes de soleil, un petit tuxedo, tuxedo. Ouais. Voilà, là, on dirait. Je suis pas sûr que ça passe. Pas sûr que ça passe, mec. Non, moi je le prends, tu vois, ça pourrait nous servir un jour, mais tant qu'on connaît pas le mot de passe, de toute façon on pourra pas se ninja. Regarde, je me suis fait ninja, je me fonds dans la masse. On est stylé. Non, je trouve pas. Oh. On dirait des mecs pour préparer pour le carnaval, mais bon. Range ça, on le ramènera à la base et quand on connaîtra le mot de passe, on pourra l'utiliser, mais pour l'instant c'est un peu inutile. Il y a quoi là-dedans? Oh, des échelles! C'est fermé. Ouais, évidemment, genre les seuls trucs pas fermés, c'est les vêtements et les échelles, apparemment. Là, il y a des vêtements d'assassin, comme celui qu'on a vu à l'entrée. Du coup, je cherchais pas, genre un mur qui s'effrite un peu trop et qui me permettrait. Ah, là, il y a un mur qui s'effrite un peu. Je sais pas. Oui, non, mais sauf que là, ça nous mène vers dehors. Là aussi, il y a un mur qui s'effrite un peu. Ça nous mène vers dehors, je confirme. Plein de murs qui s'effritent quand même. Je sais pas. Ça sert à rien en fait. Par contre, on va peut-être arrêter parce que, genre, si jamais ils se rendent compte qu'il y a les murs qui sont cassés, je sais pas ce qui va nous arriver, tu vois. Bah, au pire, on s'en va par la porte comme tout le monde. Ils vont nous choper direct! Je sais pas. Mais attends, tu veux qu'on passe quoi? Mais je sais pas, t'as des échelles. Regarde. Ouais, mais tu veux qu'on passe par où? Pas de trou? Ah, si, y a un trou là. Comment on passe là? Attends, j'ai une idée. C'est peut-être pas. Non, c'est pas dingue. Là. C'est pas dingue. Ok, j'ai une idée. Prends les caisses. On va faire une échelle en caisse. Enfin, tu vois. J'ai déjà des échelles. Oui, non, mais justement, on va prendre les caisses et on va mettre l'échelle dessus pour que ça soutienne. Et. Ouais, ok. J'ai cru à un moment qu'on était bloqué. Attends, je suis dingue. Il y a tout le temps un moyen. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est bizarre. C'est toujours un moyen. Ouais, bah on aurait pu aussi sortir, hein, tout simplement. Je sais pas si on sera assez haut là. Attends, il m'en reste encore 2. Ouais, il en manque une. Il manque une échelle, n'importe quoi, toi. Voilà, il y en a bien assez. Ah, par contre, ça c'est ma faute. Oui. Ah, c'est quoi? J'ai une idée, on va le brûler. Non, mauvaise idée. Vas-y, casse-le, ça me saoule. Oh, mais t'es ouf. Mais non. Bah super. Comment on sort? Bah j'ai juste à casser ça. Bah vas-y, fais-le. C'était pas ouf. C'est bon, ça a marché. Oh, je suis Oula. Tellement un génie. C'est parfait. Qu'est-ce... Ah, voilà. Par contre, je vois pas où on est.
Bah, je crois que l'arbalète est là, bon. Donc en fait, on est baisé. Mais viens, là, il y a un coffre. Un coffre? Yep. Alors, il y a deux armes. J'imagine que tu veux la grosse épée. Non. Ok, je la prends. Les lames turvaines, c'est plus stylé. Les grosses épées, c'est pour les gens qui ont quelque chose à compenser. Bon, elle est pas si grosse que ça, hein. Je parle pas de... Bref. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup... Bah, on n'est pas avancé, en fait, parce qu'on peut pas grimper, là-bas. Non, mais là, il y a pas l'air d'avoir du monde, en fait. Ah, peut-être que tout le monde s'est barré. Bien. De toute façon, on a rien à perdre. Peut-être que si on met les déguisements... C'est... Bon, écoute, c'est au cas où, tu vois. Ça peut nous permettre de nous fondre dans la masse vite fait. Ouais, enfin, avec des épées, ça passera moins bien. C'est vrai. Ça passera franchement moins bien. Range ton épée. Elle est toujours... Non, elle est plus dans mon dos. Évite de courir pour pas trop paraître. Attends, suspect. Merde, mais on va où là? Je sais même pas où on va. Par là, par là. Attends, faut qu'on repère, faut qu'on fasse du repérage. Alors, ah, mais on n'y voit rien. Là-bas, il y a une arbalète, ça je le sais. Par là, ça a l'air d'être la merde. Et si je me trompe pas, là-bas, vers là-bas, il y a la deuxième. Donc, viens, on va essayer de grimper. Là, il y a des lianes, donc ça va être un peu plus simple. Là, par là. Tu veux essayer de grimper? Ouais. Pff, okay. Oh merde, ça va être chiant. Chacun sa méthode, hein. Non mais tu grimpes où? Je t'ai dit grimper ici. Chacun ah oui, sa méthode. Ça marche aussi très bien ta méthode. Bon, fais gaffe. Chacun si sa méthode. Si ils te voient eux, t'es dans la merde. Hein. Ça va, j'ai pas vu. Est-ce que d'ailleurs, tu enlever ça sert à rien. J'ai une idée, on casse des portes. Mais t'es fou, arrête, fais pas ça, faut qu'on soit sneaky, faut que personne nous voit. Si t'arrives et que tu défonces tout, on va mourir. Parce que si jamais tu défonces tout, eux ils vont te voir, ils vont te foncer dessus, on est mort. Oh, est-ce que tu peux faire une échelle de glace pour qu'on monte au-dessus de la porte. Non, pas non plus, viens. Et là, on peut escalader facilement. On escalade jusqu'à un endroit où tu peux shooter les trucs. Tu les shoots à distance et c'est bon. Là, on est un peu loin, quoi. Donc, faut peut-être se rapprocher ou aller à un endroit plus haut. Enfin, déjà là, ouais, on n'a pas l'angle. Contre, oui, c'est pas non plus compliqué. Mais saute ici, c'est ce que j'ai fait. Ah, t'as sauté là? Je t'ai fait un escalier plus conséquent. Par contre, c'est... non, ça glisse pas, c'est bon. Ça glisse pas, t'es sûr? Oui. Je préférais quand même mon endroit pour grimper, c'était plus cool. C'est 100 fois mieux. Mais tu passes comment maintenant? Je sais pas. Telle mais est ici, la question. Regarde, ici, moi je suis passé par là. Ah, bah c'est bon. Ah mais c'est bon, c'est... Mais qu'est-ce que... Mais non! Faut passer par là, ou ensuite. Voilà. C'est ça qu'on appelle le génie. Ah, d'accord. Bon bah ça va servir. On enlève l'épreuve, hein. Alors continuons. On monte, c'est bon. C'est un escalier, c'est cool. Là il y a des ennemis, donc... Quand même des trous dans leur porte-vêtement. On y a un ninja. Jean. C'est ridicule. C'est une arène! Vas-y à main nue, mec! Ah Manu, ça se fait pas. Mais je l'ai fait sortir de l'arène, mec. C'est pas faire. J'ai gagné. Et oui, il s'en bat les couilles apparemment. Selon les règles du Tenkaichi, j'ai gagné. Donc, c'est bizarre quand même, genre qu'ils nous attendent comme ça et que bizarrement on soit encerclé. Non, on est pas encerclé, mais je pense qu'on s'est fait piéger. On le t'éclat à main nue. On est rentré par. Comment ça se fait qui? Mais il y en a des nouveaux, je crois. Ou alors ils se sont relevés. Ah, je l'ai eu. On se casse. Oh, bah, parfait, mec. Regarde toutes ces lianes qui tombent. Dépêche-toi, ils arrivent! Mais viens! Ça c'est fait, hop. Bah, il y en a encore pas mal, hein. Et ils sont en train de rentrer, il y en a encore qui sont dehors quand même. Non, bref, je me comprends. Oh là! J'ai peut-être un peu glissé. Chef, j'ai glissé. Oui. Bon, alors, est-ce qu'on a l'angle? Je pense pas qu'on ait l'angle. Non, hein, on pas. Et celui-là, enfin, on a encore moins l'angle. On va même pas tenter, surtout que si on détruit le truc à côté, enfin on a un shot en gros, sinon après on est repéré. Non, c'est mort. Faut qu'on aille les deux d'un seul coup en fait. Là-bas, si on était tombé là-bas comme prévu, on aurait pu shooter l'autre. En même temps, je t'avais dit que je sentais pas ce truc. Ouais, mais fallait tenter. Puis on est pas mort, on est pas tombé dans l'eau. Bon, moi je vais essayer de grimper un peu. J'avoue qu'on aurait pu tomber dans l'eau. Là, on a presque l'angle, mais pour l'autre, on l'a pas du tout. Faut qu'on monte à celui-là, hein. Y a pas d'autre moyen. Tiens, par là, c'est parfait. Hop là, il y a un escalier, allez, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, je veux dire.
tout est planète. Pour l'instant, on n'est pas encore au centre de la base, hein, je te rappelle. Heureusement que t'es pas tombé. Du coup, c'est par là, hein, normalement. Il y a un mec, il y a un pilier qui est différent. Oui, il est doré, il est shiny. On peut pas voler un pilier. On est quand même des pirates, non? Mais on va pas voler un pilier alors qu'on est censé être là en ninja. Attends, chut. Il y a tout le temps un canonnier, donc là, forcément, il y a un canonnier. Ok, fais exploser la TNT. Je vais me mettre un peu loin quand même. Fais exploser la TNT, je le vois. Vas-y, explose. Oh, on a eu le tireur. Et bah c'est bon, c'est cassé, mais explose l'autre dans le doute, tu vois. Et là, ce qui va... le but, c'est que... parce que ça, c'est les munitions. Parce que tu vois, ils font un peu exploser les bateaux. Donc le truc, c'est que tu vas devoir toucher les munitions de l'autre aussi. Ça va être impossible. Bon, tu tires dedans, pif, et ça devrait passer, hein. Merde. Au pire, tu sais quoi, je vais faire un gros tir. Vas-y, non. Le rate pas, hein. Par contre, on va peut-être se faire repérer, hein. De toute façon, on s'en fout meilleur juste après, hein. Enfin, meilleur angle possible. Tu as tombé. Viens là, moi je suis monté. Mets un bloc de glace. Pas con. Attends. Fais une pyramide de glace, histoire que j'ai ouais, un putain de. Super ça, je suis bien intelligent. Je veux bien jouer, bah en tout cas, bravo. Attends, comme ça tu peux monter. Fais juste attention à pas glisser. C'est vrai que c'est. Fais gaffe. Ouh, tu l'as vu, je crois. Ça a marché. Mais j'ai pas l'impression. Tire un plus petit. Non, tu l'as complètement raté. Ouais, c'était un peu haut. Ah, peut-être. Ouais, si tu mets le feu. Ah, je vois rien. Ah, mais je vois rien non plus. Tire un plus gros. Ça a marché, je pense. T'as pas tiré un gros là. J'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Ah! Ah! On fait des progrès. Attends, tire le petit, mais tire en plein dessus. On va y arriver. Oh, oh oui. C'est ça, faut y, fallait que ça y aller petit à petit en fait. Ouais, c'est bon. Enfin, fais un dernier tir dans le doute, tu vois. On tire au même endroit, parce que c'est par là où sont les munitions. Je pense, du moins. Ah. Parfait. Attends, on en reprend un dernier. Ouais, vaut mieux. Non, ça marche pas, ça. Tu le sais très bien. Arrête. Oh, c'est bon. C'est solide, quand même. Et on n'entend pas trop les explosions, du coup, ça veut dire que s'il y a des gens dans notre tour où on est, ils nous entendront pas. Ouais, non, laisse tomber. C'est déjà bien cassé, de toute façon. Là, on a un peu abusé aussi. Par contre, je veux pas. Donc, par contre, il va falloir qu'on se barre, non? Oui, c'est ce qu'on fait. Je te rappelle, sois sneaky, hein, parce que même si on a fait des explosions, ils savent pas d'où on est. Alors, t'es où? Là, t'es là. Juste là. Ok. Attends, j'entendais des gens parler. En bas. J'entends personne. Putain, viens voir. Viens voir. Nous avons bien découvert la base des rebelles. Ils devraient avoir été assassinés désormais. Putain, j'ai ça dans mes poches. Mais c'est trop bien. Putain, merde. Faites pas attention, j'ai glissé. Vite. On se barre. Oh fuck! C'est bon, on va où? Je sais pas. Bien, je vais geler toute l'eau. Et on court et on s'en va. On saute là, mec? Ouais. Aïe! Ah, ça va, j'ai pas trop mal. J'ai eu une vision. Oh ah, j'ai eu la vision que dans une autre vie t'étais mort. C'est bon, tout va bien, je suis pas encore mort. Ah bon? C'est bizarre. C'est fou ça quand même. Est-ce que j'arrive à mourir? Bon, comment. Bon, on va faire ça petit à petit, mais au moins on va s'enfuir. T'inquiète pas. Allez. Vite, faut voir s'ils vont bien. Enfin, je pense pas, mais on va voir s'ils vont bien quand même. Ils sont peut-être. Non, t'inquiète. Oh, mon chat est pas mort! Heureusement. Tu pas des chats, et puis ça, c'est un peu violent. Ils ont refait la déco quand même. Est-ce que t'as vu qui c'est qui était meurtrier? Est-ce que t'as vu le meurtrier, non? T'as pas vu le meurtrier? Je suis pas chaud de monter en haut. Je pense qu'ils sont morts, hein, vu qu'il y a des taches de sang ici. Oh, c'est sale. Il est où, Geku? Il y a pas de Geku. J'ai le droit de me retourner ou c'est trop sale? C'est sale, mais ça va. Enfin... Là, on a l'heure, tu vois, genre...
Comme dans les bons vieux. Oh là, arrête ça. Comme dans les bons vieux trucs policiers, ça a été bloqué au moment du meurtre. Arrête ça. On va les enterrer. Pas les incinérer. Tu vas brûler la maison avec. Donc ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué juste après qu'on soit parti. On était en train d'enculer tout le monde à l'église qui était déjà mort. Non. Quoique non, c'est l'heure où on s'est fait propulser à peu près. Je dis n'importe quoi. Oui, bah, parce qu'on a fait ça en pleine nuit l'église et là c'est bloqué à 5h30 c'est du mat. C'est l'heure où on était. Plus l'heure c'est pas l'heure où on est. C'est l'heure où on était en train d'arriver sur le. Non, c'est pas sérieux. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a plus d'alliés et. Oh bien, on va se venger. Ouais, mais mec, on a plus d'alliés.